fait un arbitrage bidon, un peu partial. Et peut-être que Tempête gagne, mais c'est pas du bon football. Ça, c'est du kick and rush. Et un football qui n'est pas tellement inspiré. C'est tout normal que dans notre pays, si peut-être nous favoriser la victoire au lieu du bon football. C'est comme ça. Hein. Et nous sommes capables d'apprécier, nous comme ça. Hein. Peut-être un arbitrage qui n'est pas tellement mal, mais simplement, c'est pas. Tempête, au moins, il satisfait qu'on gagne, mais peut-être moi-même. En tant que joueur de football, peut-être que ce n'est pas le football vraiment pour un match pour gagner. Nous pensons que c'est un match qui gagne, qui gagne le revanche sur le cadeau. Et normalement, je ne suis pas capable d'essayer de diminuer l'équipe qui gagne un match de football. Mais les tempêtes d'autrefois, ce n'est pas le tempête d'aujourd'hui. Ce n'est pas une équipe vraiment qui fait peur quand joue au football. Du kick and rush, long ball. Et peut-être que je pense que si par exemple c'est une ambiance qui est intelligente, et plus parfaite, non pas l'on a éclairage terrain et côté match commencé en retard, on pense que c'est un bon spectacle qui est favorable. En plus, le premier match avec Tempête normalement, le second match au stade Civilocator, ce sera vraiment différent. Ce que ça me rappelle là, c'est que non, non, arrêt de jeu, 5 minutes d'arrêt de jeu, un match qui jouait en plein dans la seconde période, c'est un peu suspect. Bon, moi, si par exemple, moi-même, c'est Mokhtar Begola, dans l'arrêt de jeu, moi, je suis pas satisfait. Et pour ne pas diminuer tout le bagage, et succès à Tempête, et on match que vraiment. Et le bataille, tu commences à la fin, mais peut-être que ce n'est pas le Tempête que je connaissais.